5 choses que tu risques de regretter plus tard si tu ne le fais pas dès maintenant. Tu vois, notre existence sur cette planète Terre, elle a une durée limite. On finira tous par y passer à un moment donné. C'est inévitable. Donc autant l'accepter dès maintenant, qu'on le veuille ou non. Alors personnellement, ce qui m'aide à l'accepter, c'est d'en prendre conscience tout simplement chaque matin. Et ça m'aide également à ne pas repousser au lendemain ce que je veux vraiment faire au plus profond de moi et à faire en sorte de ne pas passer à côté de ma vie. Donc la première chose que tu risques de regretter plus tard, si tu ne le fais pas dès maintenant, c'est de passer trop de temps à faire de l'argent et pas assez de temps avec les gens que tu aimes. Parce que demain, tu sais pas si tu vas te réveiller, ouais. Tout à l'heure, tu sais pas si tu vas avoir un accident. Je pense que tout va bien se passer, mais tu n'as aucune certitude de cela. Tout comme ces personnes auxquelles tu penses. Toutes ces personnes que tu aimes, tu ne sais pas si elles vont se réveiller en pleine santé demain matin. Alors mets ton boulot un peu de côté, mets l'argent un peu de côté et va t'occuper de ces personnes que tu aimes. Va passer des bons moments avec elles. Embrasse-les, fais-leur des câlins, dis-leur que tu les aimes, ok? C'est ce qu'il y a de plus important dans ta vie, ce qui fonctionne au niveau de ton cœur et un peu moins de ta tête. Parce que le temps a beaucoup plus de valeur que l'argent, oui. Le temps a beaucoup plus de valeur que l'argent. Parce que l'argent, tu peux en gagner plus, vrai. Tu travailles plus, tu penses différemment, tu peux faire en sorte d'obtenir plus d'argent. Le temps, t'as beau réfléchir, innover, imaginer, penser, agir. Peu importe ce que tu fais, tu n'obtiendras jamais plus de temps que celui que tu as déjà à disposition. Donc utilise-le intelligemment avec les gens que tu aimes et les gens qui t'aiment. Ça t'aidera à être davantage reconnaissant de l'existence que tu expérimentes. Deuxième chose que tu risques de regretter si tu ne le fais pas dès maintenant, c'est de voyager plus. Parce que c'est pas quand tu auras 90 piges et que tu pourras pas te lever de ta chaise, que c'est à ce moment-là que tu vas décider de partir au bout du monde. En plus, on vit dans une époque où on a l'opportunité de voyager où est-ce qu'on souhaite, avec les avions. Et en plus, on est français. Alors, au niveau du passeport, c'est magique quand même. On a une opportunité extraordinaire. On dit du voyage que c'est la seule chose que l'on achète qui nous rend plus riche. Alors c'est en partie vrai, hein. Parce qu'en achetant des livres, tu peux devenir plus riche financièrement, intellectuellement, émotionnellement et aussi spirituellement. Mais bon, en voyageant, tu vas découvrir tellement sur toi, sur ta personnalité. En voyageant, tu vas découvrir tellement de nouvelles cultures, de nouveaux langages, tellement de choses sur le monde à voir qui sont magnifiques et tu as l'opportunité d'y accéder dès maintenant. Où est-ce que tu aimerais aller ? Ok, visualise cet endroit. Qu'est-ce qui t'en empêche? L'argent peut-être? Non. Voyager demande beaucoup moins d'argent que ce que tu le penses. Tout dépend quel type de voyage tu veux. On est d'accord là-dessus. Si tu veux voyager que dans des 5 étoiles en prenant le taxi tout le temps, ok, l'argent peut être une problématique. Mais si tu veux voyager, pour découvrir des gens nouveaux, des cultures nouvelles, des idées nouvelles, à ce moment-là, le voyage va te coûter moins cher que de rester à l'endroit où tu te trouves à l'heure actuelle. À partir du moment où tu acceptes de sortir ta zone de confort, de dormir par terre, de dormir sur la plage, de dormir sur le canapé, de ne pas dormir en fait, des fois même. À ce moment-là, le voyage te coûte rien. Et la seule personne qui va t'empêcher de voyager aux quatre coins de cette planète et de découvrir le monde qui t'entoure, c'est toi-même. Troisième chose que tu risques de regretter, si tu ne le fais pas dès maintenant, c'est de laisser partir toutes ces personnes que tu aimes. Oui, tu t'en souviens de cette personne la dernière fois? T'avais envie de lui parler, ton cœur s'est emballé, mais au final, tu l'as laissé s'en aller. Parce que tu n'as pas osé affronter tes peurs, t'as eu peur de te prendre un râteau, et au final, t'as des remords, et t'arrêtes pas de te dire « Ah, c'était peut-être la personne idéale. Ah, peut-être j'aurais partagé des moments extraordinaires avec cette personne. » Ouais, mais devine quoi? Tu ne le sauras jamais parce que tu n'as pas pris ton courage à demain pour aller lui parler. Je le répète, demain, tu sais pas si tu vas te réveiller. Alors pourquoi rater l'opportunité de rencontrer la personne de ta vie? Passe à l'action dès maintenant, ok? Dès que ton cœur s'emballe, agis sous 10 secondes, direct, tac, boum, tout se passe bien. Quatrième chose que tu risques de regretter plus tard si tu ne le fais pas dès maintenant, c'est d'arrêter de manger toutes ces petites boîtes, toute cette nourriture qui a subi un processus derrière. Tu sais, ces petites boîtes préparées où tu as plein de conservateurs, de sel et de sucre. Oui, parce qu'ils aiment bien mélanger les deux en même temps. Tu as plein d'OGM. Un jour, cela va te rattraper.
parce qu'on devient ce que l'on mange. Nos cellules se renouvellent à travers la nourriture que l'on absorbe. Donc tu deviens littéralement ce que tu manges, ok? Donc fais en sorte de manger des aliments qui ont pris le soleil, qui sont pleins d'énergie, sans pesticides et sans avoir subi un processus derrière. Ça va t'aider à péter la joie de vivre et à te sentir mieux jour après jour. Et là, je parle vraiment en connaissance de cause. Le jour où j'ai arrêté de manger tous ces aliments qui ont subi un processus long derrière, tous ces aliments chimiques produits par les industries, je me sentis mieux. Je te parle même pas de la nourriture elle-même qu'ils mettent dans ces petites boîtes. Là, je te parle juste du package total. Cinquième et dernière chose que tu risques de regretter plus tard, si tu ne le fais pas dès maintenant, c'est de prendre des risques. Comme tu es déjà au courant, qui ne tente rien n'a rien. Si un jour tu veux avoir plus de confort, plus d'argent, c'est ok, il n'y a rien de mal à ça. Mais il va falloir quand même à un moment donné de ta vie sortir de ta zone de confort pour saisir les opportunités nécessaires pour matérialiser la vie souhaitée et être dans une situation, dans un environnement plus confortable. Parce que si tu produis toujours les mêmes actions que tu as toujours entreprises précédemment, tu finiras toujours par obtenir les mêmes résultats. Donc n'hésite pas à être vulnérable, ok ? À sortir de ta zone de confort, à apprendre des choses nouvelles qui vont te permettre de rencontrer des gens nouveaux et bien sûr d'obtenir davantage d'opportunités pour que cette vision que tu as en tête puisse devenir réelle à un moment donné. Donc voilà, tu as tout ce qu'il te faut. Passe à l'action dès maintenant. Toutes ces idées, matérialise-les. Tous ces sentiments, toutes ces sensations que tu expérimentes, essaie d'être en accord avec elles. Et je peux t'assurer que ta vie changera jamais.